Les Éthiopiens célèbrent leur nouvel an et habituellement les commerçants de bétail réalisent les profits les plus importants au moment des célébrations, connues sous le nom d'Enkutatash. À la veille de la nouvelle année, le prix des marchandises a augmenté en raison de l'inflation croissante et les clients accusent la guerre civile en cours dans le nord du pays. Comme vous pouvez le constater, tout est cher maintenant. S'il y avait la paix, ce ne serait pas comme ça. Le calme qui semble régner dans différents endroits n'est pas le bon. Les gens restent à la maison et ne viennent pas au marché pour leur bétail. Les choses sont devenues trop chères. Il n'y a pas les foules habituelles que l'on voit au marché pendant les fêtes. Clairement, l'inflation a eu un impact. Si les gens avaient assez d'argent, je suppose qu'on ne verrait pas le marché aussi vide, surtout en cette période. Les combats ont repris le mois dernier entre l'armée du Premier ministre Abiy Ahmed et les rebelles du Front de libération du peuple du Tigré, brisant une trêve de 5 mois qui avait laissé espérer une résolution pacifique du conflit.